Toto. Toto. Toto, Laura. Toto, mon cœur. Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une revue sur la palette de Morphe avec Maddie Ziegler, donc celle-ci, qui est juste sublime, franchement. Moi j'aime beaucoup le packaging, alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais moi je fais partie de celles qui aiment bien. Je préfère même celui-là que les packagings noirs, comme ils ont tout noir d'habitude. Et alors derrière il y a la photo de Maddie Ziegler, elle est juste sublime cette fille, elle est sublime, franchement elle est... Elle est canon. Je crois que c'est une des danseuses de Sia. Donc voilà. Moi je la connais pas du tout. C'est parce que j'ai vu ça sur internet. Je savais même pas qu'elle dansait dans les clips de Sia. Donc, Alors Morphe, c'est toujours génial. Parce que l'emballage, c'est. En fait, il est plus épais et il le met dans un papier bulle. Donc ça c'est nickel. Pas de casse quand ça arrive. Ça fait plaisir. Et la palette est pareil. Même packaging que le carton. Juste magnifique. Au derrière, tout simple. Voilà. Donc là, c'est en carton. Moi, j'aime beaucoup ces packagings. Je préfère ceux-là que même ceux en plastique. Alors, l'intérieur, forcément, vous avez un petit film. Et par contre, pour changer, contrairement aux autres palettes, là, ils ont mis... Enfin, moi, ça n'a pas d'importance, mais ils ont mis le nom des teintes. Donc, pour celles qui préfèrent, ben, je trouve ça génial. Donc, c'est une palette nude et très colorée, surtout avec la ligne ici. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai prise aussi, parce que je recherchais une palette, comme je vous l'ai dit, colorée pour l'instant. Et du coup, j'ai trouvé celle-là vraiment pas mal. Donc je vais vous laisser là tout de suite avec les swatchs. Donc vous allez voir la première ligne. Donc j'ai fait par ligne, hein, donc la première qui est toute simple. Mais alors c'est génial parce qu'il y a un fard un peu crème blanc neutre, quoi, qu'on peut mettre sous l'arcade sourcilière, donc génial. Ensuite vous avez la deuxième ligne qui est vraiment très jolie aussi, surtout le premier bien pailleté et le corail là qui est magnifique. Puis ensuite vous avez la ligne colorée, donc canon. Alors mis à part le vert, moi j'aurais préféré un vert un peu plus mint, mais franchement là tout a été swatché sans base ni rien du tout, donc franchement la pigmentation est top. Et la dernière ligne c'est les foncés, et alors les foncés pareil, quelle pigmentation, truc de fou. Donc franchement je vous dis sans base, sans rien, donc magnifique. Et je l'ai eu, donc la palette pour 22 €, elle est à 28, mais j'ai eu moins 20%, donc je l'ai eu à 22 €. Et franchement je suis trop contente. J'ai déjà fait deux make-up avec, j'ai fait un coloré et un plus nude. Aujourd'hui on va faire un coloré parce que ben, vous avez plus l'habitude de me voir faire du nude, et je vais faire un style de make-up comme sur le packaging entre guillemets, parce que moi j'aimerais bien utiliser le jaune. En fait j'ai fait ce make-up justement, mais je trouve qu'il ressort mieux sur la palette parce que le vert est beaucoup plus... il n'est pas assez pastel, je le trouve assez mint pour le faire... le vert donnait pas très bien. Je trouvais que le bleu et le mauve étaient... Enfin, le bleu et le mauve étaient magnifiques, mais le vert, je trouvais que c'était pas top. Donc aujourd'hui, j'ai pu essayer les autres. Donc ça va être un make-up blabla parce que j'ai des choses à vous dire. Et comme j'ai pas fait de vlog pour l'instant, à mon avis d'ailleurs je vais en faire la semaine prochaine. Donc là je vais mettre ma base chez Anastasia. Je vais certainement en faire la semaine prochaine parce que je vais, j'aimerais bien aller au zoo avec le petit. Il aimerait beaucoup aller voir les animaux. Et du coup avant d'aller à Peridaisa, je me suis dit je vais faire les petits zoos qui sont un peu moins chers pour voir ce que ça donne. Et en plus de ça, ben, on fait plusieurs activités ainsi. Peridaisa on ira aussi. Mais là je me suis dit on va aller certainement au zoo de Moubeuch qui est un peu plus petit, mais... Voilà, je ne l'ai jamais fait, donc je me dis pourquoi pas. Donc j'espère qu'il fera beau lundi, non pas lundi, lundi je travaille, mardi ou mercredi, vu que je suis en congé mardi et mercredi cette semaine. Donc j'espère qu'il y aura un des deux jours où il fera beau et on pourra aller voir les animaux avec le petit. Donc voilà. Ensuite, grosse frayeur la semaine passée, hein, je vous en ai un peu parlé. Alaric s'est coupé avec un couteau chez ses grands-parents. Ils avaient laissé des pommes de terre et un couteau sur la table. Et franchement ça a pris 2 secondes, on était en train de souper et il s'est coupé avec le couteau, mais il s'est franchement pas loupé. Il a eu 3 fils, donc on a dû foncer aux urgences et tout, panique, parce qu'en plus moi de ça, je supporte pas le sang, donc je tourne très vite de l'œil, encore plus quand ça touche mon fils bien évidemment. Donc du coup j'étais vraiment très 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 mal, plus mal que lui en fait, parce qu'après lui au moment où il s'est coupé il a pleuré, mais sur toute la... aux urgences pendant la demi-heure, 3/4 d'heure qu'on a attendu, il pleurait plus, on voyait qu'il était pas bien, mais il pleurait plus du tout. Alors que moi j'aurais eu une coupure comme lui, j'aurais été je sais pas comment. Donc voilà. Donc du coup il a eu 3 fils quand même.
Donc, on a dû un peu le gazer en fait, parce que ben voilà, pour mettre les fils à vif sur la blessure, c'était pas joyeux. Maintenant, c'est déjà plus ou moins fini encore eux. Les fils ont été retirés, ça fait déjà 10 jours maintenant. Donc, les fils ont été retirés, tout va mieux. Après, le doigt n'est pas encore très bien remis. Donc, là, on doit le masser et mettre une crème exprès. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, voilà, j'ai eu très très peur, bien évidemment. Alors, ensuite, on va utiliser. Donc, je vais quand même vous montrer ce que j'utilise. Donc, on va d'abord utiliser ce fard-ci. Alors franchement, en plus les dessins, comme vous voyez ici, il y a une bouche, à côté il y a un œil, ici il y a un papillon, je trouve ça trop canon, on a juste ici il y a un cœur, on n'a juste pas envie d'utiliser les fards rien que pour ça. Le vert par contre il ressort beaucoup mieux à la caméra, franchement c'est plus une couleur comme ça que j'aurais voulu, or qu'il n'est pas vraiment, pas du tout comme ça quand on le regarde en fait. Donc je prends mon E25 de chez Sigma, comme d'hab, bon, ils sont sales, je les ai déjà utilisés, on est dimanche, mais je ferai mes pinceaux ce soir. Et je vais le mettre en coin externe. Donc voilà, la mésaventure avec Alaric, ça a été franchement la panique, je vous le dis. Donc voilà. Ensuite, dans les commentaires de ma dernière vidéo, je vous avais dit donc dans la vidéo que j'avais pas craqué sur le bronzer Charlotte Tilbury, parce que les revues n'étaient pas terrible. Et bien c'est loupé, ça y est, j'ai craqué en fait, donc j'ai eu une bonne promo. Déjà pour celles que ça intéresse, il est en promo, il est à moins 11% sur Félunic. Donc voilà, déjà c'était déjà pas mal. Mais alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais choisi les 10% sur la marque Charlotte Tilbury, pardon, vu qu'il ne passe jamais en promo. Ça c'est exclu des marques, mais enfin les codes promo sont exclus des marques même sur Félunic. Sur Charlotte Tilbury, on va y arriver. Donc du coup, ben, j'avais choisi les 10%. Et en fait, j'ai mis le site en livre. Et encore mieux, le site en livre, ça revenait moins cher quand vous faisiez la conversion. Et en plus de ça, donc là, il n'était pas à moins 11%. Mais malgré ça, il revenait moins cher que sur Félunic France, je vais dire. Et mes 10% sont passés. Donc je l'ai eu à 38 euros et quelques. Donc voilà, il est commandé, je l'attends. J'ai pris la teinte médium, bien évidemment, parce qu'apparemment la teinte claire, c'est pas le top, elle est vraiment très très claire. Et en regardant les swatchs sur internet, la teinte médium se rapproche plutôt, plus à mon Marc Jacobs, donc à l'Oméga Bronze. Donc forcément, c'est la teinte médium qui m'aira certainement le mieux. Donc je suis impatiente de le recevoir, ma commande n'a toujours pas été envoyée par contre. Donc voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez la pigmentation, franchement nickel. Hein. Nickel. J'aime trop. J'avais envie de faire un make-up coloré pour changer. C'est dommage, j'aurais pu faire un make-up Pride, mais je crois que c'est passé. Donc si j'avais eu des palettes un peu plus colorées, j'aurais pu vous faire une série de vidéos comme ça. Donc voilà, aujourd'hui on fait un petit make-up arc-en-ciel. Voilà. Ouais non, j'aime beaucoup cette couleur, franchement. Et ensuite, au milieu, je vais prendre un pinceau plat de chez Zoeva, mon 234, et je vais prendre la teinte bleue, qui est juste ici, avec le petit œil trop magnifique. Franchement, la qualité des fards, pour le prix, foncé. Hein. Et les 20%, il y a moyen de les avoir assez facilement. Moi, j'ai fait plusieurs adresses mail, parce qu'en général, c'est quand vous vous inscrivez. Et vous avez les 20%, mais bon, vous faites une fausse adresse mail, ça règle le problème. Je vais reprendre mon pinceau parce que j'étais un peu trop dans le mouf'. On estompe comme d'hab. Ah, vous voyez, j'ai fait make-up blabla, du coup, je fais mes deux yeux en même temps. J'y ai même pas pensé. J'étais tellement. Je fais comme d'habitude quand je me maquille en fait, donc du coup, j'ai directement fait les deux yeux. Ok. C'est bien moi ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire? Oui, j'ai d'autres... ça aussi on m'a beaucoup demandé parce que pour l'instant c'est vrai que je fais beaucoup des vidéos sur le make-up. Alors ne vous inquiétez pas, il y a des vlogs du coup qui vont recommencer à mon avis la semaine prochaine. Ensuite, il va y avoir certainement des hauls de vêtements bien évidemment. Mais là j'attends les soldes parce que les soldes en Belgique elles ont été reportées jusqu'au 1er août. Donc pour l'instant il n'y a pas grand-chose, il y a des pré-soldes mais pas sur tous les sites. Donc du coup, bah, j'ai pas encore acheté de trucs. Là, je viens de commander quelques trucs sur Zalando, mais pas assez pour vous faire une vidéo. Donc j'attends.
Mais franchement, pour l'instant, j'ai pas craqué sur beaucoup de choses. Il y a un ensemble chez Esprit qui me fait vraiment de l'œil, mais j'attends qu'il revienne en stock. Donc, dès qu'il est en stock, je le commente. Ensuite, la semaine prochaine, je vais aller chez Action. Donc, normalement, je vais vous faire un haul Action. Là, j'ai déjà été. J'ai quelques trucs, mais j'attends d'avoir beaucoup plus aussi pour vous montrer. Je vais pas vous montrer pour trois trucs achetés. Et quand moi, j'ai été, ben, mon Action était vide. Le camion était là, mais ils n'avaient pas encore mis en rayon. Donc, du coup, ben... j'ai pas acheté grand chose de ce que je voulais. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir aussi un haul AliExpress. Tout est en train d'arriver. J'ai déjà reçu quelques pièces donc, de ce que j'ai commandé. Donc j'attends aussi pareil, mais que le reste arrive. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du make-up. Hein, mais bien évidemment qu'il y aura quand même toujours plus de make-up que le reste. Mais voilà. Donc les soldes arrivent. Donc il va y avoir des hauls soldes et tout. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, on va utiliser... hop, le jaune ici en coin interne. Donc vous voyez, franchement, la pigmentation, c'est ouf. C'est les couleurs les plus colorées et pigmentées que j'ai eu dans une palette, parce que j'en ai des palettes. Enfin oui, Colourpop c'est pas mal non plus, hein. Franchement, là j'ai déjà testé quelques palettes, c'est pas mal, hein. Je suis impatiente de tester la Mint pour voir comparer à ma Anastasia d'ailleurs, hein. Donc et bon, aujourd'hui, je devais vous faire ce make-up, donc j'ai pas encore utilisé d'autres. J'ai utilisé deux palettes pour l'instant de chez Colourpop. Je vous ai mis des photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'est Priscilla26-03-88, ma date de naissance en fait, tout simplement. Et donc, je vous mets des photos, des tutos que j'ai fait. Comme le dernier, dans la dernière vidéo, le tuto assez foncé, noir, c'était avec la... Blowing Smoke de chez Colourpop. Ok, franchement, j'ai bien aimé ce make-up, malgré que c'était très foncé. Moi, j'ai bien aimé, mon mari aussi d'ailleurs. Donc voilà. Et bien voilà, j'avais fait ce make-up, donc je vous avais dit, avec le vert en coin interne, et j'aime beaucoup mieux avec le jaune en fait. J'aime vraiment beaucoup mieux avec le jaune. C'est vraiment pas mal. Après, bon voilà, c'est pas donné à tout le monde, il y a des gens qui n'aimeront pas sortir avec ça. Mais moi, ça me dérange pas, hein, franchement. Je fais ce qui me plaît, hein. On ne vit qu'une fois. Hein. Donc. Ah ouais, j'aime beaucoup, c'est très original. Voilà, voilà. Alors par contre, ce que j'ai pas fait, mais il n'y a pas vraiment besoin parce qu'il s'estompe super bien, c'est que j'ai pas mis la teinte claire comme je fais toujours en coin, j'allais dire, sous l'arcade sourcilière. Donc cette teinte-ci pour l'arcade sourcilière, elle est nickel pour faire pour estomper les fards. Donc ça c'est super bien. Enfin la palette c'est top parce qu'il y a et la couleur claire et le noir. Et le noir il est d'une pigmentation truc de fou. Donc franchement... j'aime trop. Et alors, en dessous, je vais refaire la même chose, je pense. Ah non, même pas, j'ai pas envie, j'ai envie de faire le... J'aime beaucoup le corail, donc je vais mettre le corail. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs. Il est trop trop beau, donc je vais mettre ça en ras de cils. J'hésitais, j'allais dire, je vais refaire les mêmes couleurs, mais non, le corail est trop trop beau. Donc, je vais l'utiliser aussi pour vous le montrer. Donc, hop. Alors, les pinceaux, je vous ai... Enfin, si, je vous les ai dit, mais celui-ci, je vous l'ai pas dit, c'est un Jésus peint. Donc, ils sont top, les pinceaux Jésus, mais pas cher. Il est vraiment top, le corail. C'est vrai que j'utilise autrement aussi, mais comme ça, j'aime beaucoup. Et le vert, par contre, je sais pas comment je vais l'utiliser, parce que je vous dis, il est pas... C'est pas un vert comme j'aurais aimé. Je suis un peu déçue du vert. Tout le reste de la palette est nickel. Mais le vert, c'est pas... Ils auraient mieux fait de mettre un plus pastel, un plus mint. Après, il aurait peut-être été moins pigmenté, parce que là, il est bien pigmenté, mais bon, ça ne m'aurait pas dérangé. Franchement, pas de regret d'avoir acheté cette palette. Hein. J'ai hésité, parce qu'en plus, Morphe, il y a souvent des promos. Je me suis dit, ah, attends, elle sera en promo dans moins de je sais pas combien de temps, mais bon. Je me suis dit, non, tant pis, 22€, c'est déjà une belle promo. Je vais la prendre, mais franchement, pas de regret. Et en coin interne, je vais quand même mettre un petit lumineux, je pense. J'hésite si je mets le rose ou si je mets l'autre. En fait, j'hésite entre celui-ci qui est un petit peu duochrome et entre le... Je vais mettre de l'autre côté, j'avais plus facile. Le rose ici. J'hésite. Bon, je crois que je vais mettre celui-ci. Avec les deux petites étoiles dedans. Toujours avec un pinceau de chez Jésus, pinceau crayon. Je fais juste le petit coin.
ici. Alors j'hésitais à mettre un trait de liner, mais non, je vais pas mettre de trait de liner. J'ai pas envie aujourd'hui de trop charger. Mais avec un trait de liner, franchement, j'avais fait l'autre make-up et ça donnait bien aussi. Bon, ma collègue n'aimait pas trop. C'est pas le genre de make-up qu'elle aime. Donc du coup, j'ai fait un make-up coloré et le lendemain, j'ai fait un make-up beaucoup plus nude avec la palette. Et elle a vraiment bien aimé, là. Et ça aussi, en question de boulot, pour l'instant, c'est un peu la cata. Donc j'ai une gérante qui abuse un peu de son pouvoir de gérant. Donc... qui fait tous des trucs bien pour elle, mais du coup elle fait de la merde pour les autres, donc c'est très génial. On va un petit peu travailler avec les pieds de plomb pour l'instant, donc c'est cata. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On est obligé. Voilà. Ah ben c'est hyper coloré, ça change complètement de ce que je fais d'habitude. Hein. Alors là, j'adore. J'adore, c'est trop space. Ouf. Et ben voilà pour cette petite palette. Hein. Et franchement, on est qu'à 17 minutes et j'ai fait les deux yeux. Donc, j'ai été assez vite, je trouve. Donc, je vais faire, je vais mettre mon crayon hors caméra et mon mascara. Comme d'hab, c'est plus facile. Ou alors j'accélère. Non, je vais mettre hors caméra parce que vous savez bien que moi, avec ma muqueuse, après, je la baisse et tout. C'est pas très beau en caméra. Donc, je vais faire tout ça hors caméra. On se retrouve tout de suite. Voilà, voilà, j'ai terminé le make-up hors caméra. Donc, en rouge à lèvres, j'ai mis Projet Pan Oblige, mon Kat Von D que je suis en train d'essayer de terminer. Comme d'hab, j'ai mis le Colossal Big Shot qui lui aussi va être fini. Et mon Cynthia Rowley qui est ici. Voilà, pour le teint, je vous ai pas dit. Donc, bah, pareil, Projet Pan Oblige. Donc, j'ai mis mon The Ordinary. J'ai mis l'anti-cerne Wet n Wild. J'ai mis le bronzer Makeup Forever. Le blush Dior. Et j'ai mis la poudre infaillible et l'highlighter Guerlain. Donc voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai mis. Et franchement, eh ben, j'aime beaucoup le résultat. Et ce que j'aime encore plus, c'est que franchement, les couleurs se fondent super bien entre elles. Donc le jaune qui se mélange un peu avec le bleu donne un peu de vert. Et le mauve qui se mélange... enfin, le mauve... mauve lila... qui se mélange avec le bleu donne un mauve un peu plus... différents, trop beaux, donc franchement j'aime beaucoup. Après voilà, c'est très coloré, il faut aimer tous les make-up colorés, donc ça c'est autre chose, mais je trouve que ça change de ce que je fais, et je sais pas, pour l'été cette année j'avais vraiment envie de couleurs, donc voilà, je suis ravie de cette petite palette, et pour le prix franchement je suis trop contente. Je sais même pas s'il me faut la Geobreaker de Jeffree Star du coup, mais elle me tente quand même bien. D'ailleurs, si jamais vous voyez un code promo sur Beauty Bay, pour l'instant, il y en a un de 20%, mais c'est sur Suva Beauty, sur Linda Alberg et sur une autre marque que j'ai reçue par mail. Mais sur Jeffree Star, pas. Donc du coup, s'il y a un code promo, je crois que malgré que j'ai celle-ci, je me laisserai tenter. Mais en tout cas, celle-ci, si vous voulez une palette avec de la couleur, vous pouvez y aller. Hein. La pigmentation, nickel. Franchement, trop top. Elle est pas chère et elle est géniale. Donc à mon avis, elle sera vite épuisée. Donc je sais pas si elles mettront du stock. Donc voilà, c'est tout pour ce petit make-up. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si j'aurais peut-être dû faire un trait de liner ou pas. J'aurais pu, hein, mais je trouve que c'est pas mal comme ça aussi. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! J'ai oublié de vous dire, j'ai pas fait bobo mon pied. J'ai réussi à trouver une position. Nickel chrome. Et en plus, Alaric, il est trop comique. Hein. C'est vraiment son rituel. Hein. C'est pas qu'il le fait parce que je lui demande. Hein. Dès que je commence une vidéo, il vient ici pour les éclairages et tout. Et après, il me fait des bisous parce que j'allume la caméra. C'est trop chou. Bon, je vous montre le make-up d'un peu plus près.